Regardez. Un petit feu, comme dans Dark Souls, avec l'épée dedans. Puis genre du coup, bah, une petite LED dedans pour que le feu, il ait l'air d'être en train de flamber, quoi. C'est très très cool. Bon, je vous cache pas que j'ai un peu exploré. Parce que pendant le marathon, j'avais pas. Bah, je pouvais pas faire de Elden Ring. Du coup, je me suis un petit peu promené, comme vous pouvez voir. Enfin, c'est plutôt que j'ai juste promené, hein. Je suis allé. Là, je suis pas allé, j'ai juste trouvé la carte. Je me suis un tout petit peu promené comme ça pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Je pense qu'on va faire pas mal ça aujourd'hui. Essayer de récupérer quelques petites âmes. J'ai aussi récupéré. Attendez, parce que lui, il va vouloir la bagarre, là. Taper un petit feu. Alors vous voyez, j'ai appris un truc, c'est que ces petites choses là, c'était des choses qui permettaient de dévoiler la carte. Du coup, on va aller se déplacer bah, juste ici, je pense, et on va aller se rendre là-bas pour récupérer un bout de carte pour y voir un peu plus clair. On va essayer d'aller faire le boss sur lequel j'étais bloqué dans la fosse, que j'ai pris 2-3 niveaux en me promenant. Tu veux me donner une zone pour mon arme fétiche? Mais Vince, est-ce que tu veux parler de cette arme? Dis-moi. C'est bon, je l'ai. Mais du coup, oui, j'ai récupéré Bah, je peux la mettre à deux mains normalement. Si je dis pas de bêtises, bon, on va pouvoir le faire tout de suite. C'est 22 qu'il me faut. Mais ouais, moi je suis de l'ultra espadon, vous le savez, hein, genre sur les Dark Souls, sur tout ce qui est Souls-like, c'est l'ultra espadon. Je suis un peu le guts des jeux vidéo. Alors cette zone, on l'avait un peu vue ensemble. Elle est terrible, ouais, la clé mort, c'est pas mal, ouais. Tout le monde joue avec ça, la clé mort. Moi j'aime bien ça, c'est un peu. Alors j'aime pas parce que c'est un poil plus compliqué, mais genre je trouve que c'est excellent en termes de gameplay. Mais c'est exigeant de ouf. Mais j'aime bien en fait, je me sens super à l'aise avec ça. Même si c'est un peu plus dur, c'est pas grave. Ah merde, il va me manquer. Un peu. Il va me manquer un level en fait. Pour l'utiliser à deux mains. Inventaire. Putain, à chaque fois je me prends. 31. Trois kilos la sale bête. Ouais, non, mais l'arme qui fait le plus de dégâts en termes de taille, poids, c'est celle-là. Par contre, techniquement, il m'avait semblé avoir vu que tu pouvais l'utiliser à deux mains. Non, mais les attaques sautées, c'est trop bien, hein.
loin de moi l'idée de te contredire. Très clairement. Bah d'ailleurs, la clé mort qu'on trouve sur ce chariot là devant. Pour ceux que ça intéresse. J'essaie de me promener sans trop me faire emmerder. On n'est plus sûr de l'exploit, hein, très concrètement. On va aller voir le boss dès que j'aurai chopé assez de dames pour pouvoir utiliser le 13 pardon à deux mains. Parce que comme vous le savez, moi le 13 pardon, grosse histoire d'amour. Hein. C'est une des zones les plus chiantes du jeu, de ce que j'ai pu comprendre et des retours de tout le monde. Les mobs sont très forts, faut beaucoup bouger pour les fumer et au final quand tu bouges, t'en as gros d'autres, c'est assez complexe. Je suis pas descendu. Après j'ai très très peu avancé dans le jeu, je me suis surtout promené. Pour découvrir un peu à droite à gauche ce qu'il y avait. L'artéria. Draconique. Je récupère les TP en même temps quand je passe, on peut en promener un peu plus. Et ensuite on va aller sur le boss, on va essayer de finir de fouiller la première zone. Tranquillou je pense, on va l'explorer d'autres zones un peu plus loin. Je ne sais pas. Sur la route, il va y avoir de quoi. Dessécher tel un os, dragon de malheur, laissez-moi m'envoyer de votre force et me repaître de votre cœur. Il y a des dragons dans le coin. On avait trouvé un dragon putréfié là. Je sais pas si vous vous souvenez. Je pense que c'est la carte. Terre draconique. Voilà. Donc là on n'est pas dégueu. Des dragons, il y en a plusieurs. Ils ressemblent vachement aux dragons boss là-bas, là, mais en beaucoup plus petit. Est-ce que ce sont des boss du coup? J'en ai pas l'impression. C'est pas des dragons de toute manière, c'est des worms, des dragons. C'est pas comme ça, bon, c'est pas grave. Ça va, bientôt que j'ai plus de clients. Que puis-je faire pour vous qu'en fin de ce monde? Esquivant. Ah, il vend les armures de katana là. Enfin, des samouraïs du coup. Je vais peut-être lui vendre des saloperies qui me servent à rien. Je sais pas trop. Alors, il me manque juste un level, on a dit. Je sais que ça.
les runes là. Ça sert à choper. Voilà, c'est ça. Des rues. Enfin, des trucs. C'est des genres des poches d'âme comme on avait avant. La force 1,22 parce qu'il me semble que du coup maintenant, je peux m'en servir. Let's go. Bon, donc. Bon, on est venu promener un petit peu par ici. J'ai pas encore le level. Je suis juste venu, comme je disais, pas me promener. On va retourner dans la zone de base. On va aller checker, voir si je suis capable d'aller me faire le boss de la dernière fois. En vrai. Oh, mes roulades sont dégueulasses par contre. Fuck that shit, I'm out. Je suis tombé avant. Débile. Je reviens. Imbécile, c'est terrible, j'ai oublié les rebords. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Vous voyez, j'ai pas joué pendant quelques jours. Enfin, je vous dis, à part me promener à cheval, trouver des trucs d'éclat, me poser dessus, j'ai pas fait grand chose. Perso ressemble à un, on dirait un clodo. Probablement la gueule que j'aurais eu si on avait vécu au Moyen-Âge, c'est terrible. J'aurais été beau gosse quand même. Je l'aurais pécho. Au talent. Ok. J'ai un weapon art avec ou pas? Thank you.
droite ce coup quand même. Bâtard. Du tout, je veux pas de coup de main. C'est gentil, Vince. Je pense que je fais le jeu solo. Et pour le plat, toi, pourquoi pas s'il y a des gens qui veulent se balader avec moi. Mais au début, niette. Mais je suis gentil. Il va tomber là, je pense.
Non, c'est trop dommage. Tu me laisses pas le temps, putain. Enculé. Il manque que dalle. En plus, c'est rageant. Il a fait super mal. Et un mois de plus. Let's go, Boubi. Attends, excuse-moi. Merci, Boubi. 11e mois, let's go, comment ça va? Ouais, ça va nickel, ouais. Tranquille, tranquille. Non, j'ai pas encore amélioré, non. C'est de ouf.
Let's go! C'est parti. Oh, c'est une blague. La nouvelle mécanique de sauter en frappant, c'est tellement satisfaisant. Ok. You there? Come over here, would you? You're tarnished. Vous êtes sans éclat, n'est-ce pas? Je vous déconseille d'entrer par la grande porte du château. Elle est fermement gardée par les soldats vétérans. C'est plutôt ce passage-là, qui garde ignorant son existence. Pour ainsi vous glisser à l'intérieur, ni vu ni connu. D'accord. J'apprécie grandement et sans éclat dans votre genre. Si vous triomphez. Est-il. Pas appeler mon cheval. Pas appeler Torrent.
là en bas, c'est quoi? Oh bah c'est par là que je suis passé. Même de faire 100 mètres, c'est épuisant. Ce doux son de fer d'espadon qui teinte à mes oreilles. Oh, ping. Quoi de neuf, Boubi? Reste encore là. Tu vois bien? Vol mais pas trop haut. On peut prendre fou. Ah il m'a enculé. Je l'ai pas prévu comme ça. En fait j'ai exploré un peu hors stream. Au rigueur. Et j'ai trouvé la Great Swarm en me promenant tout simplement. Du coup, là j'ai refait le boss. Au bout de 3-4 tries. Du coup, bah là, j'avance, je suis au château quoi. Vu que j'ai pas rejoué quasiment du week-end, j'ai peut-être joué 2 heures. Bah, faire du cheval, aller me promener, à découvrir la map un peu, tu vois. J'ai pas avancé plus que ça. Voilà, j'ai essayé de manger en même temps de me taper contre un piaf compliqué, mais. Et du coup, il m'a attaqué de où? Ah, t'es là. J'ai mal quand même. Là-bas et on peut descendre là. Je prends le feu. Histoire de pas me refaire à la route. C'est un peu stressé que t'avances plus pendant ton marathon. Pourquoi ça stressé? Faut pas stresser. C'est ok. Je passe un très bon moment en vrai sur le marathon. Il y a eu plein de monde. Il y a eu les joueurs qui ont été super cool dans jouer le jeu. Ils sont venus bah, jouer beaucoup, regarder. Genre j'ai des moyennes à 80 sur le week-end. Je fais waouh, truc de ouf. Genre si j'avais ça tout le temps, je pourrais être partout quoi. Du coup, c'est un avant-goût de ce que ça va être plus tard si la courbe de la Chine continue d'évoluer. Ça fait grave plaisant. Ouais. Ouais, carrément. Là, je suis content de pouvoir reprendre sur Elden Ring, tu vois, genre en mode. Je vais pas reprise à deux mains. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Où es-tu, jeune pigeon? Je suis à Pigargue.
comment user. Et toi, t'as bien avancé sur le jeu, c'est cool. Tu t'éclates toujours autant. Voilà, y a plus aucune chance que tu te spoil en passant sur le stream. On passe mytho. 41. Ouais, t'as pensé. Complètement. Le jeu Masterclass, ouais, c'est ce que je disais, ça serait un GOTY, ça. Bon, les gens l'ont mal noté parce que effectivement, des soucis de perf sur PC, mais. Oh les gars. D'accord, putain. Ah, vous arrivez à tous, c'est ça le plan. Ok. Ils annonçaient 30 heures pour faire une histoire, mais derrière, je suis même pas à la moitié. Ah ouais, moi je vais être méga long par contre, hein. Il y a zéro chance que je suis sur une slow run. On dit pas sur une speed run, je suis sur une slow run. Je me souviens t'avoir vu une fois en passant sur le stream, dès le premier ou deuxième jour, t'étais déjà ici, tu sais. Voilà, très peu de chance que ça m'arrive. J'ai combien d'âmes là? Mais j'ai un peu exploré, je me suis amusé. Bah, je peux te montrer un peu, je pense. De toute manière, c'est pas chiant, c'est juste la carte. Tu vois, je suis allé un petit peu du côté de Kaylid. Ici, je suis juste monté, j'ai trouvé la carte et j'ai dit, bon, bah, c'est tout. D'ailleurs, j'imagine que tu sais comment ça fonctionne les cartes, j'ai pas besoin de t'expliquer. Ok, t'es un boss ici, un boss mid-game de Dark Souls pour le joueur de demi-tour va fermer si je n'ai pas un boss rush. Je sais pas qui c'est, Margit. Mais en vrai, ouais, non, moi je me suis vachement marré. Ah, le boss que j'ai battu. Ah. Bah, ouais. Mais je te dis, je me suis promené, j'ai vu des mobs, j'ai testé, voir les zones où je pourrais aller par la suite. Ah, ça, c'est sûr, lui va me casser les couilles. Bah, ouais. Tu te tais! Ah, ouais, putain, mais faites chier comme ça. Je vais être obligé de te baiser. Avec ta trompette qui fait éléphant là. J'ai tué 6 gros boss, moi j'ai tué ben, ce gros boss là. Et après des petits boss hors stream, j'ai dû en faire allez 4 ou 5 à peine. Bah je t'ai vu ici quand j'étais venu te voir sur le stream. La Great Swamp, c'est des barres de ouf. Est-ce que je vais réussir à le. Backstab. Boss. Je vais, on sait jamais, j'ai qu'à faire péter une caisse explosive en roulant dedans. Techniquement, je pense pas s'il n'y a pas de feu, mais bon. Voilà, la carte, du coup, t'es beaucoup plus haut que moi. Là, ce que je vais faire après, c'est je promène un peu dans le château et je pense que je vais aller voir ce que j'ai vu qu'il y avait un pont là, donc qui mène, il doit y avoir une zone en dessous. J'ai envie d'aller voir comment aller.
Non, la carte complète, non, j'essaie de pas me spoil justement parce que j'ai peur qu'en voyant des couleurs sur la carte, j'en déduise des trucs. Ça me fait chier un peu. Là, je vais traîner, let's go. Mon stream coupe? J'ai zéro perte de perf. Ça vient de chez toi ou... C'est terrible. Mais ouais, moi je pense que je vais essayer de la découvrir tout seul pour le kiff, tu vois. J'ai réussi à pas me spoil beaucoup, voire très peu. Ah, il y a que la 1090 pour fuck. Salut. Sorry les boys. Je reviens après. Je suis sorry. J'ai pas fait attention d'habitude quand la co est pas stable, on me dit ouais. La salope est loin de là. Un baiser, genre est-ce que je vais me faire, il y a un piège dans le coffre, ce serait pas étonnant ça. Non, ok, non, juste jour, okay. C'est pas plus complexe que ça. Putain, je viens d'où? Jamais sur un malentendant, on peut s'en prendre. J'avais oublié cette geôle. Ouais, j'ai pas fait trop attention, mais j'ai l'impression que le move était quand même assez. Enfin, j'ai eu assez de facilité à piger le move. Après, le truc, c'est que je peux manier que demain mon espadon. Je vais pas mentir, j'ai un peu l'habitude de le manier forcé un peu différemment. Fils de pute. Il m'a fait peur en plus. C'est même pas, genre, c'est le trap qui m'a fait chier. Il m'a pas enlevé de vie. Il m'a fait peur, ce bâtard. Que culé, va. C'est donc t'en sortir ainsi, Margoula. Toutes ces mécaniques de je peux sortir.
plus qu'un bouclier, mon pote. Ah, pardon. Oh, on la refait. Bon, ta mère. Ah, les musiques de boss, elles sont incroyables. Tout est trop trop bien. Genre... J'ai rien à redire pour l'instant. Ah. Tu peux tuer another man. D'ailleurs, t'as bien vu ce dont on avait parlé, regarde. Ah, et regarde. Ce qui avait changé dans la déco pour les gens trouver tout de suite, mais attends, ah, il sort, putain. J'ai pas pris un Ophi. Non. De la merde. Clairement. Et alors là, mis à part le fait que je comprends pas pourquoi peut-être que les bottes que j'ai mises étaient pas pleines. Mais pas de rien. Attends, attention. Hop. C'est peut-être mal mis. Ah, merde. J'ai acheté des pipes pour oh, c'est bon. Je crois que les piles sont nazes. Je ne savais pas en épée qui était pleine. Ah, c'est bon. Non, c'est juste que j'ai mal mis. Ok. Ok. Donc, normalement. C'est pas de la qualité de ouf, mais. Je pense qu'elles sont en plat. Bon bref, mais du coup, regarde. Petit feu et tout, tac. En vrai, c'est propre. Je suis PSN 20aine de balles, je crois. À peine. Et en vrai, niveau détail, hein, c'est pas trop dégueu. Peut-être me mettre en full cam. Bon, ce qui me casse les couilles, c'est pour la LED, là. C'est propre de ouf, je suis assez surpris moi-même, genre je me suis bon. On verra. Je suis un peu dex que bon la télécommande, normalement tu peux changer la couleur du feu, bon je m'en tape les couilles de ça, mais de toute façon.
Je m'en sers pas. Je peux même enlever directement l'épée. Pour les finies, elles sont pas dégueu. J'ai trouvé ça joli. Bon, je suis blasé que les piles soient dead, mais... Tant pis, j'en achèterai. Et ouais, je t'enverrai le lien. Je suis assez content du truc. Ça fait un petit peu de déco, c'est cool. Zala. Genre c'est tout. Y'a rien de plus dans le château, je cherche vite. Je suis stupide alors. Je sais plus comment je suis monté. Chabert. Il y avait l'échelle en bas là. Je meurs pas, ouais. Non. C'est bien de savoir avant de sauter en général. Moi j'aime bien faire les deux. Bah oui, non, je pouvais encore monter, j'y étais pas allé. Ça, je suis un débile. Pas de dévoleur au saumur, hein, là. Ça peut parfois, ouais. Ça peut. Je prends un peu métallique là. Clairement pas assez de vie. En plus, je vais mettre une dinguerie dès que je peux. Tu vas me soulever, ouais. Il y a des chances.
vais cliquer ta mère. Ça a l'air d'être un ascenseur, je pense que je dois monter pour le faire remonter tout en haut et seulement après je pourrais descendre avec. Du coup ça va vouloir dire que sur la roue je vais certainement me taper via les ennemis. Presse incendiaire. Bien bon. Non! Bah je suis un fils de pute, hein, c'est officiel. J'ai pas les sauts, c'est un truc, c'est dans le jeu. J'ai pas encore le bail. Je galère encore. Redescends. Hop. Nananer. C'est pour vous goumer. Oh, il y a un feu là, let's go. Enfin, c'est pas un feu. C'est un site de grâce.
Ouais, c'est sûr. Évidemment, pourquoi faire ça? Pourquoi ça peut être compliqué? Bon! Attention à la tête! Elle est immense ce compte château. Au bout de tes surprises, tant mieux. Pourtant, ça me fait plaisir justement que 5300 pour un level. Oh, what? Déception, je pensais le dégommer quand même tout de suite. Bon, essayer de leur en mettre deux d'affilée, c'est pas worse. Ça a pas l'air de fonctionner de ouf. Tellement beau. J'ai l'impression que des armes comme ça, il y en a plein. Ou c'est moins. Putain, j'ai mal au ventre. Ça va. Trop de barils de feu pour qu'il n'y ait pas une embûche quelque part là. En plus vers l'avance. Putain, les aigles avec des pointes sur les pattes et tout. Là ça sent le cul. Si je n'aime pas ça là. Qu'est-ce que c'est beau. Je dois me taper une potion à chaque aigle, au secours. C'est tout ça pour se suicider, c'est terrible. Quel bâtard. Ça, c'est le mécanique qui est là pour te dire, n'oublie surtout pas de surveiller ta vie. Parce que si t'es pas full life, tu vas manger la pété.
tout moment tu peux mourir si tu t'es pas full santé. Bonjour, bienvenue dans l'inco. Ah, bienvenue dans Elden Ring. Allez, les ennemis vont là dans le jeu, ouais, c'est à l'aide, hein. Les chauves-souris, bon ça va, mais alors putain, les aigles là, waouh. Comment ça me casse. Je lui mets une Zemmour à lui. T'es mort. Ah, des chevaliers bannis. Ah, intéressant. Peut-on avoir un nouveau feu? Un site de grâce. Putain, je me suis acheté un feu de Dark Souls, donc maintenant c'est site de grâce. Je suis pire des jonquilles. Alors. Bonjour. Ce serait pour ne pas prendre une pété. Ou pas. Un feu qui fait pas laguer, c'est quand même fou. Hey, je te reconnais, toi, t'es le fils de pute qui m'a niqué au début du jeu, non? C'est lui, ah ouais? Ouais, les attaques sautées, ouais, j'ai remarqué que c'était très fort, ouais. Ça là-dessus, par contre, je ne te contredis pas, Jeune pédoncule. Le truc c'est que je vois pas bien ce que c'est lui. C'est un chevalier? Non. Non, il a une grosse hache. Oh, je l'ai assis. Tiens, à ta place. Sale gueux. On dirait lui, hein. Ouais, c'est lui, hein. C'est le boss du début là qui te défonce. Qui te dit il retourne au cimetière. C'est un géant, ça? What the fuck? C'est quoi sa voile mimétique? Yo Spartiate, ça va et toi? Qu'est-ce que c'est beau? Alors Elden Ring, tu kiffes pour un premier Souls?
Ah, pour un premier Souls-like, du coup. Ça fait bizarre de dire un Souls-like alors que c'est From Software qui l'a fait. Ah bah c'est le but, hein. Moi, si tu me vois jouer à Dark Souls et que j'ai pas une grosse épée à Berserk... C'est logique. Bon app au rigueur à toutes. Mec, Berserk, c'est mon manga préféré, tu vois. Genre, à partir du moment où dans le jeu, t'as possibilité de jouer une arme comme ça, tu peux être sûr que je vais l'avoir. Ça roule. Ah, c'est un endroit où on peut pas se taper ici. Ravi de faire votre connaissance. Tout plaisir pour moi. Je m'appelle Roger. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, je suis un sorcier. Je cherche quelque chose dans ce château. Enfin, pour être honnête, je passe plus qu'un de mon temps à fuir les soldats. Mais c'est pas de moi. Qu'est-ce que vous aimez au château de Boulorage? C'est pas un lieu recommandé pour les sans éclat. Ils nous traquent, ils nous sacrifient, vous savez, pour leur greffe. Si vous êtes ici, c'est que vous avez une idée derrière la tête. Je suis venu défaire Godric. Imagine donc que vous la voyez, non? La grâce, c'est nous guider. Bah, profitez-en tant que vous le pouvez. Je suis un sans éclat comme vous. Mais contrairement à vous, la belle durée que cette grâce ne s'est plus manifestée à moi. Ah, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti en arrivant ici dans l'entre-terre. Vous connaissez quelques armes magiques utiles au combat. Désirez-vous en apprendre un? En tant que sans éclat autrefois guidé par la grâce, je me ferai un plaisir de vous aider, si ça vous intéresse. C'est des centres de guerre. Oh, je me fais le coup, c'est des centres, j'en veux. Je repasserai. Vas-y, ça roule. N'hésite pas, si t'as des questions.
Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon petit spartiate? Ça dépend les sorts spartiates. Dans un sou, je te dirais que l'intelligence va jouer sur tes sorts. La foi va jouer sur tout ce qui est miracle. Et la pyromancie, c'est à part. Oui, techniquement, oui, c'est un RPG. Donc si tu montes une stat en rapport avec un sort qui a besoin de cette stat-là, le sort sera plus fort, oui. En général, c'est souvent du huile. Après, dans celui-là, en vrai, tu dois plus avoir d'heures de jeu que moi. Je te mens pas que je sais pas trop, mais moi, je te fais des dégâts, salope. Pas grand-chose. Hein. C'est pas grave, on va tenter. Aucune race sur ce perso, hein. Cachez-le. D'accord, bah tu vois, je savais pas du tout. Les chiens quand t'as un ultra espadon par contre. Plaisir. J'espère qu'il apporte pas plus gros sac à merde en bas là. Thank you.
pièces sont pas évidents. Non, non, non. C'est la reine, je vais avec les chiens. Ah là là, putain de bout de ta merde. Ah ouais, puis lui, bah ouais, il passe les portes, évidemment, je suis un clan. Trop mal, c'est con. Bouclier, ouais, c'est pourquoi pas. C'est parti. J'ai une clé, mais je préfère la garder pour la table ronde. Je vais peut-être, y a pas un truc, un marqueur à la con. J'arrive dans 2 secondes les mecs. Je me pose là. Elle a pas tué. Hein? Non, t'aimes pas? Bon, c'est sûr que ça rentre pas dans le salon de toute façon, mais. Léger quand même. Putain, je suis blasé, ces bâtards, gars. J'ai réussi à mettre. À le faire aller. Bah, les piles sont déjà mortes. Ça m'a sucé les piles. À délire. Elles sont dedans, hein. Genre ça marchait et tout, genre là ça fonctionne plus. Je sais pas si genre ça suce les piles à balles de guerre. Ou... C'est vrai? Faut checker. Après peut-être qu'ils ont filé des piles de merde avec juste pour montrer que ça fonctionne, c'est je sais pas trop. Ouais, j'irai voir un peu. Hein? Attends, je peux couper. De Dark Soul, beau gosse. C'est la merde. Un peu blaze. Ça dépend. Ça dépend de ouf, Sparset.
Persona. Bon, je pense pas qu'ils vont avancer, ils vont rester bloqués là. C'est les deux mêmes du coup. J'espère que c'est ça, mais si ça flingue les piles à cette vitesse, je sais trop. Ah ouais. Ok, ça roule. Un peu calme. Regardez, tute. Je vais me casser les couilles, je mets des piles dans mon truc. Je vais mettre l'épée au milieu. Tac, c'est à moi de mettre l'épée. Et voilà. Hop! Oh ouais, toi, t'arrives à passer à travers. C'est possible d'ag, ouais. Regardez ce que ça donne avec des piles qui fonctionnent. Normalement, j'ai cette télécommande là, je peux changer la couleur. J'ai l'impression que ça marche. Mais du coup, ouais. Petit feu, quoi. Du coup, t'as vraiment l'impression. Enfin, t'as vraiment l'impression. C'est. Ça donne l'impression que le feu est allumé, quoi. Je vous dis, normalement, je suis censé pouvoir allumer et éteindre. J'ai une télécommande là. Mais. Ouais, peut-être que c'est. La merde. Des piles. Ouais, je pense, marche pas. Ouais, il y a une pile de la télécommande, mais si elle est pourrave aussi, j'irai voir après pour une pile. Je me dis, sait-on jamais. Ouais, faut...
C'est un gars que j'ai tué tout à l'heure là, le boss. Je suis pas sûr sûr mais. Il ressemble. On va aller prendre le feu, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par là. Il est immense le château, c'est insane. C'est bien, je crois. Chier lui, enculé. Je sais pas ce que c'est.
Et... Et one shot. Be proud. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Let the winds lift you to a higher place. Well, who do we have here? Tarnished, are you? Sans éclat, pas un disbien de Godric. I am Nefeli Lu. Je suis Nefeli Lu. Guerrière sans éclat, tout comme. I'm here by decree of my father. Ici par la volonté de mon père. C'est absolument pour ça. Cette grève de Godric si mal à un seigneur, la corrompue les vents. Si vous ambitionnez d'affronter Godric, je vous demanderai de faire appel à moi. À cause de lui, des vents pestilents soufflent. Et en gros, je vous aide au combat. Pardonnez-moi, je suis resté longtemps sans affaire. En tant que sans éclat, nous vous suivons notre propre destin. Qu'importe la route que nous empruntons, nous marchons vers le trône du Seigneur d'Elden. Graine dorée, ça c'est chiant.
au boss maintenant. Je vais attendre de farmer un peu. Celle du coup là. Les félilous, ouais. Je sais pas, je dirais 26, 29. C'est parce que tu l'as pas rencontré alors. Tu as pas dû bien fouiller. C'est pas une critique, hein, mais t'as dû la rater. Hey, Suko, elle est dans une petite salle, la meuf. Je l'ai rencontrée il y a littéralement 2 minutes. Tu as plus ton casque de prisonnier? Non, parce que je peux plus faire de roulade si je le mets. Pour l'instant. Nine. Ah regarde, j'ai réussi à le faire fonctionner. C'est les piles qui étaient mortes en fait. Il donne des piles mortes avec regarde. Bah du coup on voit pas bien la lumière parce que à cause de. Attends, hop. C'est un peu plus joli s'il n'y a pas de lumière du coup, mais... Mon petit feu de joie. Let's go. Wesh les pots. Ça farte. Ah. Ok. Peut-être pas emmerder les poules. J'ai pris la PT nationale. Je sais pas qui c'est le prochain gros boss. Parce que j'imagine que derrière les voiles dorées comme ça, c'est les gros boss. 400 minutes tous les jours depuis vendredi. Ouais, je t'avoue que j'ai enchaîné les 12 heures aussi là. Le pouce, il veut me baiser. Hein. Hey bruh. Et où le gros pot? El gros pot. Bah je fais ce que je peux monsieur. Après je peux la jouer Guts torse poil. Faut que je mette un fut un peu plus stylé que ça quand même.
Ah, t'as fait Griffith, Judas. Écoute. La violence du type. Ouais, t'as fait Griffith. J'ai combien d'âmes? 2037. Enfin, des runes. Je vais jamais y arriver. Allez. On check le boss ou pas? A ton avis, c'est feu. On peut parler. C'est faisable le boss? Dis le mec qui a fait Guts. Aucune originalité. Je sais pas. J'entends pas les mecs qui trouvent pas les persos dans les jeux. Oh tiens. Une branlée. Je vais pisser vite fait. Et on va faire le boss. Moi je suis repas avec ma classe. Moi j'étais prisonnier, c'est une classe, c'est pas une classe, c'est un statut. Je m'en vais coucher ce jeu. Oh on va tenter. Je sais pas trop ce que ça va être. Alors.
coup aussi. Mighty dragon. Thou'rt a true born heir. Lend me thy strength, O kindred. Deliver me unto greater heights. Well. The lowly tarnished. Claim is a lord. I command thee. I am the lord of all that is golden. La Golden Show, hein, du coup. Of dragons. Lend me thy strength. Je lui fais vraiment pas beaucoup de dégâts par contre. Thank you.
Mais ça, c'est de la merde de ouf. Tellement dans le but dès que je frappe. C'est rigolo parce qu'elle a des attaques similaires. Pour le truc de tourner autour d'elle. Et je me sers peut-être pas assez de mes weapon art. Tu l'as fait niveau combien, Rigor, lui? Je me donne une idée si c'est moi qui ai pas assez de PV ou enfin qui soit pas qui tape pas assez fort ou si c'est lui qui est vraiment balèze. Ça me fait serrer ces trucs de merde là. Ça sert à rien en plus. Thank you.
dessus, ouais. J'ai récupéré mes âmes et je suis redescendu à 700 alors que j'en avais 3000. Ça y est. Relou. Je sais pas pourquoi j'en ai moins. Ça me gave. Donc je vais pas le faire maintenant. Hop. Ça dégage. Yolde. Ouais, les invoques, je piche pas comment ça marche. Ça va, Yami? Du mana, je sais pas, j'ai jamais essayé donc je sais pas comment ça marche réellement. Moi ouais, j'en ai une là et ça marche jamais donc je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. La vitesse à laquelle le projectile arrive, je mange un sgeg. C'est quoi, c'est comme une cloche de clair là? Salut Tsukipa, ça va?
D'accord. Je vais aller voir. Je repasserai là après. Alors au début on apparaît. Oh putain. On apparaît où? Porte, grotte du bosquet, église d'Elay. Ouais, ça va, ouais. Je vais me faire casser la gueule sur le deuxième gros boss là. Je suis un peu vanille, mais. On va vouloir acheter quelque chose. À propos de Calais, je vends mes marchandises au cours de mes pérégrinations. Depuis que la cercle d'Eden a été brisée, cette contrée était affligée par je sais pas quoi. Par les cercles là comme vous-même, pas grand monde veut déporter ses amis chez moi. Et vous êtes un client très apprécié. Les hurlements des beaux brumeux. Je conclus qu'ils rentrent encore dans les parages. Pourquoi ne pas aller vous-même à sa rencontre? La prochaine fois que vous entendrez le loup hurler, faites ce signal à la source du cri. Vous en faites pas, vous n'avez rien à craindre. J'ai senti même que vous entendrez merveille tous les deux. Claquement de doigts. Bon, faut que je claque des doigts quand je trouve le loup. Je vous recommande d'acheter un nécessaire de fabrication, ça vous permettrait de confectionner vous-même des objets rudimentaires. C'est absolument indispensable pour espérer survivre par ici. Certes, c'est pas donné, j'avoue que je me fais une bonne marge, mais votre survie passe avant tout, chaque client compte, vous comprenez. Un nécessaire de survie, dit. Ça? Ok. Ah, donc les peaux fissurées que je ramasse en tuant les peaux, ça sert à ça. Ok. Pas de PNJ les gars. Je sais quoi alors, je me mets en mode nuit ou... Pas de nuit de la nuit. Oh là.
Ouais, moi je suis gardé, c'est marqué nuit. Je fais pas de miracle, hein, les gars. C'est de la merde. Mon nom est Irina, je suis chapelle du château du vent et au sud. Les serviteurs s'y sont rebellés. Je suis pas sûr de ce qui s'y passe, ma vue me fait défaut depuis que je suis né, voyez-vous. Et ma semblant entendre des hurlements terrifiants de toutes parts. Mon père, le soit-il, m'a fait extraire discrètement du fort. Mais il a décidé d'y rester, prétend que son devoir en tant que commandant. Bah ouais, on dirait une gardienne du feu vu qu'elle voit rien. J'ai peur pour mon père. Les serviteurs sont venus nous signaler extrême à notre guerre. Ils sont depuis venus chercher qu'un des compagnons avec lesquels je suis échappé. Ils n'ont parlé personne. Si vous en pouvez, je vous rappelle de vous porter une lettre à mon père au château. Mon seul souhait, c'est qu'il s'échappe. Et puis, c'est lui en coup de son honneur. Je vous en prie, je veux simplement qu'il soit en sécurité. Si tu veux. Ça va et toi? Il y avait une autre Karim. Ah ok, d'accord. Bah DS3, je t'avoue que j'ai pas bah je l'ai fait quoi, mais j'ai pas refait le full 100%. Du coup les noms des persos et tout, les quêtes, j'ai pas refait grand chose. Je te cache pas qu'effectivement Morgenstern. Morgenstern, Schande. Dans ma liste de chaînes Twitch, t'es entre SKX Live et CubeGui. Bah écoute, je sais pas qui c'est. Ils ont pas plus de viewers que ça si je suis deuxième dans ta liste. Parce que putain, c'est des mecs qui ont quand même des grosses communes. Je comprends pas que genre il y ait si peu de monde. Enfin, que genre. Parce que là, on n'est pas beaucoup, à moins que genre je bug et genre on soit vraiment plus. Je sais pas, je sais pas. Thank you.
Ouais, c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde qui le regarde sur Twitch vu le nombre de gars qu'il a sur YouTube. D'accord. Donc, c'est complexe un peu quand même quand je fais du tout aussi. Après, je suis pas que ça, mais. Je parle plus pour eux. Arrête-toi! Ah non, non, bah c'est bien ce dont je me rends compte. Pas te mentir, je. Dans ma tête, ça devait se passer différemment pour eux, mais pas du tout. Mes âmes sont où? Je les vois même pas. Tu me vois 4 bornes et demie. Ouais, ouais, mais bon, je. Normalement, t'es censé avoir un petit. T'as un petit truc sur la carte quand tu meurs et que tes âmes sont à un endroit. Je suis un peu vanné qu'il n'y en ait pas. Là. Tant pis. Je parie que toi, t'es un genre de boss de merde. Oh, c'était certain cette histoire. Oh là 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 là. Pif, d'essayer. Salut, je suis en train de faire des dégâts et passe ça à son cheval, pas lui. Ah ouais, en fait, lui, il a zéro life. Bon stream au rigueur. Chimère. J'imagine que c'est le cavalier crépusculaire, du coup il est là que la nuit. Je vois un peu ça comme ça. Vous achetez ou vous vendez? Dans la gueule de ce qu'il vend lui. Ok. Ok, let's go.
wish. Mais c'est qui lui? Peut-être ça commence à se dévoiler un peu mieux. Holy shit. Solide. Hey Drazon, ça va bien? Je pense que si j'ai un cheval, il se désarçonne ici. Ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'il va mon Drazon? Ça va bien? Sur Elden Ring, comment je commence à comprendre comment le jeu est pensé. Je m'amuse beaucoup, c'est très cool. C'est vraiment un bon jeu. Un très très bon jeu. Comment il s'appelle le boss que j'ai eu là? Margit le déchu.
Ouais, ça roule peut-être. Ça va, je suis claqué, mais ça va. Sont affreusement flippants. Incroyable. Ouais. Demain, il y aura peut-être pas de live. Je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Je vous mettrai un message sur le Discord tout à l'heure là. Pour que les gens aient le temps de le voir. Mais j'ai des trucs à faire demain et ça va me prendre beaucoup de temps. Et je me demandais de me lever très tôt. Donc je sais que je vais être explosé. Je sais pas comment va se dérouler en plus la journée. Combien de temps ça va me prendre, est-ce que je serai rentré et tout. Donc, je vous cache pas que je suis un peu blaze. J'essaierai en tout cas de venir mais... T'as passé une bonne journée mon Drazon. Hey, y a des endroits c'est quand même bien dur ce jeu et y a des endroits c'est archi tranquille. C'est fou.
taf. Ah, ça. Besoin quoi toi de rasoir déjà? J'aurais dû cogner au lieu d'essayer d'esquiver. L'erreur. Aidez-moi à son noble coule dans mes veines. Si les créatures étaient de me dehors, je remarquerais tout jamais que ce soit je ne peux lui réparer de disgrâce. Ça va bien? Oh ouais, ça va. On fait d'Elden Ring là. Un petit peu avant de retourner sur Hunt. Tu continues vite fait les drops.
pas péter sa cage. Talisman de la lame double. Et bien du coup, comparé au Dark Souls, j'ai vu pas mal de mauvaises notes sur Steam. Ouais, les mauvaises notes sur Steam, pardon, c'est surtout des gens qui sont en colère parce que ils ont des frame drops en fait sur leur jeu. Parce que le jeu était très bien optimisé pour les consoles, mais c'est un peu plus compliqué d'optimiser pour les PC parce qu'il y a énormément de configs différentes. Du coup, les gens sont en colère parce que, ouais, bah ils ont pas de. Comment je peux dire? Ils ont pas mince de retour là-dessus et du coup pour se venger bah ils notent mal le jeu mais clairement hein, genre j'invente pas c'est les joueurs console enfin les joueurs PC sont en train d'exploser les notes du jeu à cause de ça c'est dommage d'ailleurs parce que bah le jeu est très très bien c'est juste qu'il y en a certains leur config elle est pas habituelle pas conventionnelle elle a pas été faites par quelqu'un qui s'y connaît, ils ont des composants qui sont en conflit avec d'autres. Et du coup ils sont en colère parce que bah effectivement le jeu tombe pas comme ils aimeraient, mais bon bah c'est tout, ça va être patché, ça va être optimisé dans pas longtemps. C'est juste que voilà, faut aussi que bah, les gens qui ont comment on peut dire, des composants pas très communs assemblés ensemble. Puisse aussi faire du feedback donc les notes étaient mauvaises là ça y est il commence déjà à y avoir quelques trucs pour améliorer la qualité du bordel donc en vrai j'ai envie de te dire là pour le moment ça a été pas très très bien noté mais les notes remontent c'est si sur Metacritic si c'est si sur tous les magazines de jeux vidéo le jeu il a une note de il a la note parfaite, c'est bien parce que le jeu est bon et pas parce que. Enfin, ça s'invente pas, tu vois, genre. Non. Tu peux me faire confiance, genre le jeu est vraiment très cool. Si t'as aimé Dark Souls 3, je pense que c'est un peu dans l'idée. Il y a un petit mélange avec Sekiro au niveau de certains trucs. C'est joli, c'est bien fait, c'est très cool à faire. L'histoire est sympa, pour ce que j'ai compris pour le moment. Non, il n'y a pas de... En vrai, il n'y a pas de galère.
il a même pas pris de dégâts, c'est sérieux? Mais il a même pas pris de dégâts, c'est sérieux? Commencer Dark Souls, je te conseille du coup, en vrai, je te le dis, de faire Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro, et à la fin, fait Elden Ring. Parce que du coup, tu auras l'occasion de bien comprendre les mécaniques de ces jeux-là. Tu auras l'occasion de t'entraîner, de te pratiquer, et de monter crescendo sur la qualité des jeux. C'est-à-dire que si tu galères, par exemple, hop, excuse-moi, si tu galères, comment je pourrais t'expliquer ça? Ça ira mieux en avançant. C'est-à-dire que si par exemple, si tu fais Dark Souls 3 ou Bloodborne ou Sekiro, avant de faire le 1 et le 2, quand tu vas arriver au 1 et 2, les mécaniques sont plus rudimentaires, c'est plus lent, c'est... T'as moins, ton personnage bouge moins bien, tu vois, c'est plus exigeant en fait, parce que du coup, bah, tu dois être parfait sur tes moves. C'est pas les mêmes, c'est pas exactement pareil. Moi, je te conseillerais peut-être, du coup, en vrai, c'est bah, de tenter l'expérience en les faisant dans l'ordre de sortie. Et quand tu... Quand tu seras pour comment dire, si t'es vraiment pour plus les faire, fais-les dans l'ordre de sortie. Comme ça, tu gâcheras pas le plaisir de refaire les anciens après les nouveaux. Parce que vraiment, je te jure, c'est il y a un monde. Il y a vraiment un monde entre les deux et c'est terrible. C'est terrible. Tu risques de pas apprécier à sa juste valeur le jeu alors qu'il est très très cool. Et ça, en vrai, ce serait dommage. Je te le dis franchement, ce serait réellement dommage. T'as des mécaniques qui s'ajoutent au fur et à mesure où tu avances dans les jeux, et si tu commences avec des mécaniques multiples qui vont peut-être te plaire beaucoup, repartir sur un truc où tu as moins de mécaniques, ça va te casser la tête parce que tu pourras pas jouer comme tu as l'habitude. Ouais, moi je te conseille, fais 1-2 Bloodborne, Dark Souls 3, et après t'enchaînes. Brillant là-bas, dis donc. Ah, le gros crabe aussi, on l'a vu. Putain, tout ça pour des flèches. Yoni. C'est un des trains boss là-bas, on va les checker. Hein.
Ouais, Bloodborne c'est une exclu PS4, donc si tu peux pas le faire, bah c'est pas grave. Mais en soi, en vrai, Bloodborne c'est hyper cool. C'est vraiment un Dark Souls avec des mécaniques différentes. Et qui est très très cool de par son style. Genre, très honnêtement, moi Bloodborne j'ai adoré. Et c'est PS4 ou PS3 Bloodborne? C'est PS4. Bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Je le connais pas ce boss donc. Après Bloodborne, il y en a qui disent que un remaster va sortir sur PC. Donc bon. Peut-être qu'en attendant un peu. Avec de la chance. Je ne sais pas. Je perds de la vie. Même pas. Magnifique. Alors on y retourne. Il m'a pas l'air extrêmement balèze ce boss. C'est lui casser la gueule rapidement. Yes, le bon back Windows des familles comme on aime. À un moment donné où on attaque un boss, c'est tellement plus intelligent. Je sais même pas comment je suis pas mort, putain. Bah ouais, mais gros aussi. Pas dans ta range. Oh là là, putain, ça c'est affreux, quoi. Il met dedans là ce truc à la con. Au début, elle me bouffait deux fioles en plus. Putain, c'est quoi ces conneries là de back Windows à chaque fois que tu joues à un jeu From Software? Ça, par contre, c'est relou. Hein. Je sais pas pourquoi. Genre, à des moments, boum, ton perso il décide que allez, vas-y, y a un back Windows. Enfin, ton jeu, pardon. T'es complètement baisé dans ce que tu fais, tu sais. Genre là, je sais même pas comment j'ai fait pour pas mourir, hein. Vraiment. Je t'embête si je récupère mes âmes, non? Maintenant, je pense que je vais te casser ta gueule. Peut-être pas de suite. C'est pas non, c'est vraiment pas de l'aide hein, sur les persos rapides. Bonne nuit, Fufu. Bonne nuit, Fufu. Pardon, bon courage pour demain. Et février,
taper ce boss de con. Le pire, c'est qu'il est large faisable. Hein. Je mets des grosses tatanes. Mais gros, putain, j'en ai marre. Oh là là, d'être Keblo dans des tombes de merde là. Qu'est-ce qu'il fout des tombes sur la plage en plus? Au secours. Putain, pas l'aide. Bon, du coup, j'en ai plus rien à foutre des âmes. J'ai perdu les 400 pauvres âmes que j'avais. Let's go. Some trigger. Je peux pas prendre mon cheval pour les poch. Alors par contre, ouais, ça je vais l'enlever parce que c'est insupportable. Basiquement, lui, il aime pas la magie. Je peux pas, j'ai pas la cloche. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas d'ailleurs. Genre quand je, on m'a dit va à cet endroit là, récupère la cloche, je suis allé, que dalle. Bon bah nique hein. Viens là bâtard, je vais te voir ton cul. Ouf. Je peux pas me heal en fait. Il me laisse aucun moment de répit. Et je suis trop lent. Je vais virer cet espadon là, ça marche pas. Oh Killianzer, let's go. Merci pour le prime. Merci beaucoup, c'est cool. Danke Fell. Ça doit être archi lent.
Je suis à combien avec ça? 64. Merci pour le prime, c'est très cool. Merci beaucoup. Eh, on arrive bientôt aux 250, les gars. Vous voulez que je me tatoue, c'est ça, hein? Vous voulez que je le fasse, le tatouage? Même lui, c'est pas pourquoi il en rage, le bâtard. J'ai voulu frapper au lieu d'attendre. Bon, du coup, je sais qu'avec cette arme-là, il va passer à l'aise. Toujours plus. C'est un peu l'idée, ouais, j'ai l'impression.
Oh Jack, comment il va? Excuse-moi, j'ai pas eu ton message. Let's go, ça va bien? Jack Company. Ça va, Seven? Let's go. Alors, je vais sortir mon chevaux. Ça fait plaisir. On a tous débloqué quand on a vu que c'est moi qui avais gagné le truc. Je fais oh, let's go, Jack! C'était le feu, c'était grave cool. J'aime pas trop cette mélasse de merde là. Ça me paraît peu fiable cette histoire. Je vois trop la gueule que ça a l'air d'avoir tout ça là. Bah, je termine à 2h du coup Jack. Du coup si jamais t'es encore là, let's go, sinon on trouvera un petit moment, t'inquiète. Ça va être vraiment fun en vrai. Moi je sais que c'est un truc, ça me... Je retrouvais ça ouf, le mec qui va faire ça. Putain, il s'est TP. Ok, donc à mon avis, lui apparaît avec des attaques à distance. Voilà, nuage de poison. Let's go. Hey, what's up, beer? Salut. De là. Ça fait combien de temps que t'en fais de la ventriloquie, Jack?
Ah exact, d'ailleurs putain, faut que j'aille upper mes fioles. J'avais omis ce détail. D'ailleurs, quand j'ai fini un truc, je mets un petit drapeau de victoire là. Tac. Je vais en mettre un là. Pam, il y a ma bannière. Je les ai fumes. Sur le rivage, checker ce qu'il y a. Non. Ah bien ouais. Bananam, bananam, give it a bee, that's my name for me. Di-di-din, di-di-din. Give it a bee. Di-di-din, 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 da piti putéo pam pam tupim ter pom pam prim fam brim pirarara bim tananam tananam give it a bim just my life for me. On va checker vite fait cette partie de cartes. Par quelle heure je suis? T'as 22h ouais. Dans 5 minutes. D'ailleurs, je vais tilter l'air beaucoup, à mon avis, ouais. Bon, on aura fait un gros boss et deux petits, si j'ai pas de bêtises. Spec, collègue. 4000. Voilà. Et pelle. Pelle. Infernal, hein. Scotché devant les devant le terrain, mais j'ai l'impression qu'elle va faire une dinguerie. Ça se trouve pas du tout. Hein. Je réussisse à grimper. À mon avis, pas le choix que de passer par là. Mais ouais, c'était une place pour faire quelques parties avec toi, hein. Je serais bien chaud, même si je suis à chier. Bah vas-y, si tu veux, Mness. Là, je vais avoir 7 avec moi ce soir. Puis on fera tourner la troisième place sans problème. Ah. Who's bad? Ça va le chien? Ah, vous voulez la jouer comme ça? Ah ouais, vous voulez vraiment la jouer comme ça? Ok, j'arrive. Oh, les dogos de mort là. Au secours. J'ai littéralement. Voilà. Mes âmes là. Complètement con, mais. Saloperie. Ouais, si t'es chaud, vas-y, let's go. Première game, on fait 7, toi. Puis après, s'il y a des gens qui veulent rentrer dans la rota,
D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire, que ça, je mettrai la rota en route. Et ils sont tirés dessus par quelque chose, je sais pas quoi. Parce que lui a mis l'arbalète, mon copain. C'est la version portugaise de Give a Little Bit de Super Pump. Qu'est-ce que tu veux dire, Ben? Deixa-te faire là un stamplin. Quand je suis un peu down. Fais là un chique frown. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'aurais donc oublié de te péter la margoulette. Descends, vil faquin. Ciel qu'il est con. Ça va, Pilot Boy? Je t'embête pas. La baliste portative. Excellent, Jean-Louis. Qu'en penses-tu, petite pelle? Petite pelle, qu'en penses-tu? Nanana. J'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est, Esti? Qu'est-ce que c'est, Esti? Tabarnak. Police. Qu'est-ce que c'est, Esti? Hey, c'est frais. Ça, c'est la version québécoise de Give a Little Bit de Super Pump. Je peux vous faire dans plein de trucs, hein, vraiment. Calme-toi, Pedro. Alors, quoi, ça a vraiment lancé un combat là? C'est honteux. Give a little bit. Ça, c'est une musique de métal. Give a little bit. Il a des pattes vachement solides, hein, ce jeune torrent de son prénom. Il est 22h, je check ce que c'est, cet arbre blanc, hein, m'intrigue. Salut!
Ils sont bien demi-tour. Vois-tu, je me fous. Il va à la droite. Non, ouais, là, je... Oh, trop stylé. Let's go. On aura un petit truc à checker demain. Si je le fais pas cette nuit. Banadam, banadam. Merci. Les cavernes insondables. Oh, attends, mais il y a juste ça là. Je me fais ken. Je me fais ken. Je me fais ken. Ah, c'était sûr. Et moi j'y vais, hein. Alors que je dis que je vais me faire baiser. Vous avez vu un peu le pré-shot? Oh là là, putain, puis c'est un cul-de-sac. Ouais, putain, puis ça prend un cul-de-sac. Excuse-toi. Ah, j'ai dit qu'il gratte, c'est pas le moment. Laissez-moi les gueux. Bye où? Peu. Un changé. Ah, ça va, c'est super. Je le savais que j'allais me faire douiller. Bah, pour maintenant, go. Voilà. Pour ça, vous avez rien raté, les gars. Et t'inquiète pas, c'est normal de pas être bon au début. Mon petit Ness.